Et voilà, nous voilà à Port-Louis. Port-Louis. Au sud de l'Orient, et donc avec ses fortifications Vauban, puisque c'est l'entrée de la rade de l'Orient. C'est juste là, et puis on peut voir un peu l'histoire comme ça. Pour la pêche à pied, je sais pas comment on va faire. En tout cas, l'eau, elle est super claire. Voilà, donc on est spoté ici, hein, dans un petit air de camping-car, dans l'air de camping-car, dans un des airs de camping-car de Port-Louis. Voilà, voilà. Maman Sherpa. Maman Sherpa. Et puis on va aller dans le bled visiter. Voilà. Il y a plein de petites rues. Alors pour la petite histoire, l'église s'appelle Notre-Dame. Voilà. Mais celle-ci n'a pas brûlé. C'est fou cette histoire. Et après, tu l'as la Dame Blanche. C'est joli, hein. Donc voilà, nous sommes à Port-Louis. Mais j'ai l'impression qu'à Port-Louis, c'est quand même... Bon, là, c'est un peu calme, mais l'été, ça doit quand même être bien à fond. Alors ça, j'adore. Comment ça s'appelle ? L'enseigne. Je crois que tout le monde a compris qu'il s'agissait d'un coiffeur. Sympathique. J'ai l'impression qu'on est dans la rue principale, en fait. Il y a un peu tout, hein. Même là... Il y a carrément une brasserie artisanale. Fabrication artisanale. Brasserie artisanale de Port-Louis. Oh, on voit. Dans le reflet. Petite poissonnerie. Voilà. Port-Louis. Oh là là là. Alors, explique-nous un petit peu ce que tu es en train de faire, Chloé. Alors je retransforme un peu la configuration du camping-car, c'est-à-dire que... Là, on était en banquette. On se retrouve avec deux petites filles qui prennent finalement de la place à table, donc on se dit, et bon, on va peut-être les mettre sur leur propre petite table pour manger. Exactement. Donc du coup, on passe du mode banquette et au mode table. Alors pour passer au mode table, alors je suppose... Alors là, tu soulèves... Ça, voilà. Voilà, là tu mets le pied. Là je mets le pied. Donc on peut voir sur la petite table qu'il y a des crochets qui sont ici. Donc il suffit de mettre le pied correctement. Voilà, là tu vises. Voilà,
Nickel. Appelle-moi idiote aussi. Ça va, je crois que je sais faire un mécano. C'est vrai? Oui. Et puis là, hop. Faut l'appeler, faut la mettre. Et puis, il y a un petit truc pour la bloquer. Mes saucisses, mes merguez, ça a l'air bon, ça cuit. Donc ce soir, c'est saucisses, merguez, aubergines et pâtes. Et voilà. Ouais, mais tu sais, le coussin, tu peux le mettre... tu vois, le coussin bleu et blanc, là, et rouge. Celui-là. Ouais, j'ai pas compris ce que tu voulais faire, mais parce que comme on sait pas faire celui-là... Voilà. Et bah, pour le moment, on va le mettre devant. Et puis, on va le mettre dans la soute. Ou dans un des coffres. Et voilà. Et du coup, on est en configuration, vraiment... Leica 200i, EcoVip, EcoVip 2, voilà, voilà comme certains collègues qu'on ne connaît pas, sur, qui font des vidéos sur Internet. Je pense à Here We Are World, comment ils s'appellent, Audrey et Bastien, qui ont exactement le même camping-car que nous. Enfin non, en version capucine, donc c'est l'EcoVip 2. Et nous, c'est l'EcoVip 200i. Voilà. Histoire. Ah bah tiens, tant que j'y suis, Chloé, peut-être tu peux nous montrer là où on dort. Parce qu'il y a plein d'internautes qui se posent la question. Tu sais, mais comment vous faites pour dormir? Bah nous, on a l'intégrale avec un lit qui descend sur la cabine. Mais je pense que c'est assez classique. Ouais, mais il y a pas mal de gens qui me demandent comment vous faites. Style Michel, hier, tu vois. En fait, on plie les deux sièges là. Michel, elle est abonnée à la chaîne. Elle regarde nos vidéos. Voilà. Enfin, on verra si elle regarde nos vidéos, si elle met un commentaire. Ça descend notre lit, voilà. Si tu mets un commentaire, Michel, c'est que tu regardes nos vidéos. Et voilà, et nous on dort là. Voilà, on va pas le faire, sinon on pourra pas manger. On a nos petits oreillers qui sont là-bas et tout. Voilà. Voilà. On a du placard un peu partout. Et on met la sécurité ici aussi. On ne pourrait pas que ça tombe sur la tête quand on conduit. Ce serait quand même ballot. Ouais, il y a toujours la sécurité. Et puis bah, les filles, elles dorment ici. Il y a deux lits superposés. Et j'enlève ça. Voilà, il y a deux lits superposés. Ça, c'est le lit de Jeanne. Et en dessous, il y a le lit de Clémence. Et puis pour les Wawa. Les Wawa, c'est ici. Et la douche. C'est là. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Voilà, bah tout se passe ici. Là, on a un petit robinet, tout c'est cool. Voilà, Leica. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver des lits dans l'eau. À mon avis, c'est pas l'endroit magique. C'est le même endroit qu'hier, sauf que j'ai oublié la caméra. Donc là, je filme avec le téléphone. Ah! Bah non. Là il y a un bébé tourteau. Ah oui. Là il y a un bébé étrille. Une petite étrille. Et là il y a une petite étoile de mer. Donc tout ça c'est trop petit. Trop petit. Donc ça c'est les huîtres sauvages de Port-Louis. Et mon plan c'est que je vais les faire cuire. Je vais faire un petit beurre persillé et je sais pas avec quoi on va manger ça, soit des patates, peut-être un mélange patate haricots verts. Voilà, avec un beurre persillé, ça va être extra. Mon plat pas cher. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cuire les huîtres. Donc on est sur des huîtres sauvages hein, de Port-Louis. Donc une huître cuite, ça donne ça. Je les ai fait bouillir en fait, voilà, pour récupérer le jus d'huître. Ensuite, j'ai fait cuire les pommes de terre dans le jus d'huître. J'ai fait ma petite persillade ici. Là, bon, j'ai rajouté du curry et puis un peu de piment, voilà. Et voilà, ça fait un repas à pas cher parce que du coup, les huîtres c'est gratuit, voilà. Que des bonnes choses, je vous dirai si je suis malade ou pas, mais je pense pas. J'ai déjà fait, j'ai jamais été malade. Donc voilà, c'est pour tous les gens qui sont sur la côte, hein, la vie en van ou en camping-car. À pas cher, voilà, les produits de la mer, c'est gratuit. Alors, comment ça se passe avec les enfants en camping-car?
Bah, ça se passe un peu avec la... comme à la maison en fait. C'est pas beaucoup plus compliqué, c'est pas plus simple en fait. Bon, c'est un espace réduit donc il faut ranger très vite et voilà. Alors nous on n'a pas de télé. Hein. Ah non, nous on n'a pas de télé non. On a l'ordinateur, on a quelques dessins animés. Ouais, c'est vrai que ça permet. Et on a mon téléphone pour regarder plus de dessins animés. Ah, ouais. mais faut savoir, tu voulais pas être filmé. Je peux te filmer ou pas, Jeanne? Oui. Alors, tu disais? Et en fait, il est aussi mon téléphone pour regarder des dessins animés. Ah, d'accord. Ah, donc, mais là, tu fais quoi, en fait, le soir dans le camping-car? Dessiner. T'aimes bien dessiner. C'est ton truc. Et toi, Clémence? Tu dessines aussi? Ouais. Pareil. Il est quelle heure, là? Il est tard? Il est 21h. Il est 21h. Il va être l'heure d'aller se coucher. Voilà, on va aller lire le livre. Et puis il va être l'heure de faire le livre. Oui. Le pyjama. Oui. Et le pyjama, exactement. Bon. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de Port-Louis? C'est bien comme spot ou pas? Ah, le spot, il est hyper cool. Ouais, vraiment très bien. En fait, on est dans les remparts, donc déjà, tu es protégé du vent. Ouais, je pense qu'en hiver et tout ça, ça peut être cool parce que... Et puis après, on passe sous les remparts, il y a une mini-plage. C'est génial hein. Très sécurisé parce que les enfants risquent pas de se perdre, il y a 100 mètres, donc c'est pas mal. Et puis alors c'est l'eau, mais turquoise quoi, c'est comme aux Caraïbes. Ouais. Elle est magnifique. C'est vrai que l'eau, c'est hyper beau. Bon, après tu mets le pied dedans, t'es plus aux Caraïbes. Elle doit être à 12-13, mais je vais peut-être me tenter demain quand même. Après, je vais peut-être enlever mes lunettes cette fois. Pas les perdre dedans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Port-Louis, il y a deux aires de camping-car. Nous, on est sur l'aire des remparts. Ouais, en fait, c'est bien mieux parce que... La rue, elle est beaucoup plus circulante. Et il y a une plage juste en face, donc ça, c'est cool. Ouais, surtout avec des enfants en bas âge. Mais elle a vu tout le monde, en fait. Ouais. Alors que là, c'est dans des remparts, donc c'est beaucoup plus sécurisé. Là, si Jeanne avait fait du vélo et tout, c'est cool. Par contre, niveau de la marée, ici, je sais pas quoi. Waouh, ça va pas changer grand chose. Bon, on verra demain. Attention, à un quart d'heure près. Et il y a une petite. Il y a deux plages, une vraiment à 150 mètres du parking, et l'autre à 200. Maman, regarde, il y a l'air d'avoir un resto et tout ça. Ouais, pas mal. Il est beau, hein. Donc non, il est cool cette terre, ouais, très bien. Ouais. Ouais. Parce qu'au moins c'est sécurisé, on a les lecs, on se pose pas de questions, on est branché, bon voilà. Bon. C'est clair. C'est pas comme si on bougeait tous les jours à 10 balles par jour. Là, nous on bouge tous les deux mois, une semaine, ça fait 60 balles la semaine pour les parkings, c'est pas. Bon, je trouve pas ça aberrant. Et voilà, on part de Port-Louis. Salut les bateaux. Ah, mais on va en voir d'autres parce qu'on va aller à Etel normalement. C'est ça alors, le programme? Alors le programme c'est on va faire 2-3 petites courses pour avoir des manger ce soir. Et puis on va se squatter dans la Ria d'Etel. C'est là où il y a la maison sur une île, la maison de carte postale.